Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Melodia. Minasan konnichiwa, perfetigom des. Vous savez, je pensais à un truc. Alors que je vous ai fait toute une rétrospective sur Mighty Lady, je n'ai pratiquement jamais parlé des Kyodai Heroines Made in Zen Pictures, à part dans une très ancienne vidéo qui date pratiquement des débuts de la chaîne. Alors que les Kyodai Heroines de Zen Pictures sont quand même assez nombreuses. Bien que nettement moins que les Kyodai Heroines porno de leur maison mère, mais pour des raisons évidentes, je ne parlerai pas de celle-là. Sauf peut-être si vous me faites un don de 500 000 euros sur mon compte Tipeee. Ben quoi, ça vaut la peine d'essayer, non? J'avais donc déjà parlé de Assault Laser, qui était l'un des tout premiers films de Zen Pictures, et si vous vous en souvenez, les effets spéciaux, c'était pas trop ça. Oui, je sais, avec Zen Pictures, les effets spéciaux, c'est rarement ça. Mais là, c'était encore pire. Nous allons donc voir ce que donne une de leurs Kyodai Heroines plus récentes et jugée du chemin parcouru, avec Melodia, sortie en 2008. Ikuzo! Le film débute dans l'espace, où l'aventure dépasse les rêves, les angoisses. Dans l'espace, quelqu'un nous regarde, dans l'espace. Où nous assistons à l'affrontement entre une sphère lumineuse rouge et... ce qui ressemble à un péfoireux. Leur combat se poursuit jusqu'à notre bonne vieille Terre, qui se transforme en boule de cristal. Et nous voyons ensuite l'héroïne du film, Otoka, jouée par Mikuru Uchino, se réveiller dans la main d'une géante, ce qui lui fait évidemment un choc et elle s'évanouit. Ah, apparemment c'était juste un rêve, puisqu'elle se réveille ensuite dans son lit, à poil avec un garçon, et aucune idée de ce qu'elle a fait la veille. Ah tiens, je savais pas que Very Bad Trip était un remake d'un film japonais. Elle est cependant rassurée quand elle découvre que, malgré son look garçon manqué, le garçon en question, Makoto, est en réalité une fille. Les habitués de cette émission auront évidemment reconnu Ayaka Tsuji dans le rôle de Makoto, qui... Ok, est-ce qu'on pourrait changer de scène avant que ça devienne indécent, s'il vous plaît? Merci! On a ensuite un flashback nous expliquant comment elles se sont rencontrées et où nous voyons Otoka exercer sa profession de voyante pour un croisement entre Cruella d'Enfer et Mylène Farmer et ses deux femmes de main, lesquelles sont jouées par Mio Nano, Maoru Kawa et Miro des Complete Kids. Ah, d'accord, ils ont pris une actrice qui se prénomme Mikuru parce que ça s'écrit exactement comme Mirai qui veut dire avenir. Sauf que Otoka n'est pas très doué pour voir l'avenir et... On ne souffle pas! Lorsqu'Otoka se met à leur décrire un bijou qui leur a été volé, Cruella Farmer repart en lui laissant un généreux pourboire. Mais dès que Makoto, qu'elle avait aidé à se planquer sous sa table, repart, il n'en faut pas plus pour que Cruella Farmer et ses sbires pensent qu'Otoka et Makoto étaient de mèche depuis le début et se lancent à leur poursuite. Poursuite qui se termine sur un toit, où Cruella Farmer se fait posséder par le péfoireux du début, tandis qu'Otoka et Makoto se font tirer dessus par ses sbires et tombent dans le vide. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore la chute du film. Par contre, elles n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé entre leur chute et le moment où elles se sont réveillées dans la chambre d'Otoka, à part la géante rouge vue par Otoka. Otoka finit par s'endormir, et Makoto en profite pour lui piquer sa boule de cristal, bonjour la reconnaissance. Bon, pour sa défense, elle a rapidement des remords, et est sur le point de lui rapporter, quand elle se retrouve face à Cruella Farmer, qui marche bizarrement et parle comme les visiteurs. Mais non, pas ceux-là, les hommes lézards de l'espace, évidemment. Cruella Farmer et ses deux sbirettes tabassent Makoto avant de...
Oh putain, ça y est, Zen Pictures a encore oublié qu'ils étaient pas en train de tourner un film porno pour leur maison mère. Mais arrêtez, bande d'andouilles, elle a 15 ans! Ouf, sauvé par l'arrivée d'Otoka, qui est somnambule apparemment. Son arrivée réjouit Cruella Farmer, qui se transforme sous les yeux de ses sbirettes, qui, terrifiée, décide de quitter ce film. Cruella Farmer se transforme donc en... une perruche géante. Comme ça fait pas peur. Otoka met Makoto en lieu sûr et récupère sa boule de cristal qu'elle utilise pour se transformer en Melodia via une cinématique qu'elle a piquée à Ultraman. Commence alors un combat entre Melodia et la perruche géante. Bon ok, à partir de maintenant je vais l'appeler par son nom officiel, Suicider. Non, c'est pas une blague, hein, ce monstre s'appelle réellement Suicider. Tout le monde se moque de mon look ridicule de perruche géante. La vie n'a aucun sens, autant en finir au plus vite. Mais Suicider utilise contre Melodia sa terrible arme secrète, l'halitose. Tuez-moi, mais la bouche fermée, par pitié. La diode sur la poitrine de Melodia se met à clignoter, ce qui constitue une référence évidente pour le public japonais, mais beaucoup moins pour le public français. En fait, c'est une référence au color timer d'Ultraman, le Kyodai Hero de référence au Japon, qui clignote pour lui indiquer quand ses réserves d'énergie diminuent. Vite, mon bouclier anti-halitose ! Melodia s'apprête à utiliser sa super attaque finale de la mort qui tue, qui, soit dit en passant, est un petit peu inspirée de celle d'Ultra Seven, le successeur d'Ultraman, mais Suicider disparaît, et Melodia reprend donc la taille et l'apparence d'Otoka, qui, comme la fois précédente, n'a plus aucun souvenir ni aucun vêtement. Ah bah c'est vrai que ça, le film ne fait pas un carton. D'ailleurs, on remarquerait que dans certains plans, on voit bien que Mikuru Uchino porte un maillot de bain, une pièce. C'est bizarre d'ailleurs parce que quand on voit certaines de ses vidéos, elle donne pas l'impression d'avoir un problème particulier avec la nudité. Mais alors qu'elle essaye de voir si Makoto va bien... Surprise, motherfucker! Melodia reprend alors le contrôle du corps d'Otoka et affronte Makoto, qui parvient malgré tout à s'emparer de sa boule de cristal. On peut donc dire que Melodia a perdu la boule. Et l'utilise pour se transformer en Blue Melodia. Otoka s'enfuit et malheureusement, ça se voit quand même un peu qu'elle fait du surplace devant un fond vert. Et puis, ils avaient vraiment aucun plan de la ville où on ne voit pas Suicider. Blue Melodia l'écrase, mais... Ta gueule, c'est magique. Melodia et Blue Melodia vont donc s'affronter... d'un instant à l'autre... C'est quand vous voulez, hein ? Trouillarde ! Melodia se lance à sa poursuite, et on enchaîne sur un combat aérien entre les deux. Ouais, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais, on voit que c'est des fonds verts, que les nuages sont CGI, qu'il y a des plans où c'est des doublures numériques, avec des seins bizarres en plus, que la caméra est à 90 degrés quand elle se bat au corps à corps, etc, 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 etc. Mais je vous rappelle que pour la toute première Kyodai Heroine de Zen Pictures, les scènes de vol, c'était ça! Ils ont fait d'énormes progrès!
Melodia tente d'utiliser son attaque contre Blue Melodia, mais en est empêchée par Otoka qui ne veut pas qu'elle fasse de mal à son amie. Elle tente donc une autre technique en lui roulant une pelle. Ah non, pardon, elle se miniaturise pour rentrer dans son corps, pendant que Blue Melodia retombe au sol, terrassée par une indigestion carabinée. Enfin, c'est peut-être pas forcément une indigestion, parce que moi, personnellement, si mes organes internes ressemblaient à ça, je consulterais. Elle se retrouve face à Suicider qui... Eh oh, Suicider, elle est devant toi, ton adversaire. Bon, en fait, le but de Suicider est d'attaquer les cellules de Makoto pour que... Avez-vous déjà vu un boucaquet de cellules? Maintenant, oui. Je sais, vous êtes en train de vous demander pourquoi je ne veux pas parler des films porno de la maison mère s'il y a aussi peu de différence entre les deux. Finalement, Melodia attrape Suicider avec son rayon lasso et l'emmène avec elle hors du corps de Blue Melodia qui redevient Makoto. Moins fort, il y en a qui essaient de rester évanouis ici. Et avant que vous ne vous plaigniez que la caméra est placée beaucoup trop haut, je vous rappelle que... Makoto récupère ses vêtements et comprend que Melodia est en réalité Otoka en remarquant ses vêtements au milieu d'une empreinte de pas géante. Et attendez une seconde, j'ai réalisé un truc là. Ça veut dire qu'elle est retombée exactement là où elle était avant leur combat aérien? Elles ont volé en cercle ou quoi? De son côté, Melodia passe un mauvais quart d'heure contre Suicider qui s'est scindé en trois monstres, lesquels sont joués par les mêmes actrices que Cruella Farmer et ses deux sbirettes, et elles finissent par créer une gigantesque sphère d'énergie que Melodia tente d'empêcher de s'écraser sur la ville malgré ses forces déclinantes. Et il faut croire que Makoto a quelques souvenirs inconscients de sa précédente transformation, puisqu'elle utilise la boule de cristal d'Otoka pour redevenir Blue Melodia et l'aider à repousser la sphère contre ses adversaires, détruisant ainsi les deux clones de Suicider. Melodia et Blue Melodia unissent ensuite leurs forces pour affronter Suicider, avant de combiner leur super attaque finale de la mort qui tue, et d'exploser le monstre. Makoto reprend sa forme humaine, tandis que Melodia se sépare d'Otoka, qui a sa boule de cristal avec elle. Attendez, c'était pas Makoto qui l'avait? Et elle repart vers sa planète d'origine. Le lendemain, Makoto et Otoka comblent les blancs de l'histoire et comprennent que Melodia était venue sur Terre à la poursuite de Suicider et avait fusionné avec Otoka pour la sauver ainsi que Makoto quand elles étaient tombées du toit. Ce qui, au passage, rappelle un peu l'origine du premier Ultraman qui était venu sur Terre à la poursuite d'un monstre et qui avait fusionné avec un humain qu'il avait accidentellement tué à son arrivée. Et le film se termine alors qu'Otoka devient une célèbre voyante avec Makoto comme manager et visiblement Zen Pictures a explosé son budget figurant pour cette scène. Bon d'accord. En réalité, c'est des employés de la firme. Korede Owarida. Alors, est-ce que ce Melodia était meilleur qu'Assaultizer? Bah déjà, premier point, le scénario est très bon, avec deux héroïnes sympathiques qui ont bonne personnalité, et on sent bien l'amitié qui les unit, malgré le fait qu'elles ne se connaissent pas depuis très longtemps. Les deux actrices principales font un très bon boulot, ce à quoi on commence à être habitué avec Aya Katsuji. D'ailleurs, elle reprendra le rôle de Blue Melodia dans deux vidéos promotionnelles pour Zen Pictures. Et Mikuru Uchino s'en sort très bien aussi dans ce qui est pratiquement un double rôle, alternant entre la personnalité peureuse et exubérante d'Otoka et celle beaucoup plus calme de Melodia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on sent l'influence d'Ultraman dans les origines de Melodia, mais elle arrive quand même à avoir sa propre identité, avec sa double personnalité, le fait qu'elle est une voyante dans son identité secrète, ce qui est quand même assez rare. Le seul autre exemple que je connais, c'est Raya dans Kamen Rider Ryuki, et il apparaît que dans une dizaine d'épisodes, et la boule de cristal qui lui sert de morpheur. Et puis, il faut avouer que le personnage d'Otoka est particulièrement fun. Ceci dit, même si le scénario est très bon, il y a quand même quelques petites incohérences de ci, de là. Comme la transformation Deus Ex Machina de Melodia quand elle se fait écraser par Blue Melodia, ou la boule de cristal qui est détenue un coup par Makoto, un coup par Otoka. Et surtout, comment Makoto peut-elle connaître l'existence de Melodia quand elle la voit combattre? Parce que tels que sont présentés les événements dans le film, les seuls moments où Melodia apparaît sont ceux qu'on voit dans le film. Et la première fois qu'Otoka parle d'elle, Makoto ne la croit pas. Alors comme pour la transformation, peut-être que c'est parce qu'elle a des souvenirs inconscients de la fois où elle l'a affrontée pendant qu'elle était possédée par Suicider,
Mais dans ce cas-là, elle devrait aussi savoir qu'Otoka et Melodia sont la même personne. Otoka ga... Sonna kana. Les scènes de combat sont de qualité, et si les costumes de Melodia et de Blue Melodia sont superbes, on ne peut malheureusement pas en dire autant de Suicider. Incombe quand on se rappelle que les monstres étaient une des rares choses qui étaient réussies dans Assault Tizer. Encore pire, même les monstres qu'affrontent les Kyoda Heroines porno de leur maison mère sont en général mieux réussis que ça. En général. Pour ce qui est des effets spéciaux, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur Initial F du même auteur, Hiroshi Nagai est un réalisateur qui aime bien s'amuser avec les images de synthèse et les incrustations. Et même si on sent bien qu'il est handicapé par le temps et le budget dont il dispose, on ne peut nier qu'il y a un réel travail dans ce film. Et puisqu'on parle d'incrustations, il est heureux que Zen Pictures ait renoncé à incruster ses acteurs dans des décors réels, au profit de maquettes de villes élaborées, même si elles ne font pas vraiment illusion. Mais par contre, il n'avait pas encore le budget pour faire un faux ciel bleu, du coup le film se passe presque entièrement de nuit. À part la fin du combat qui a lieu à l'aube, avec un éclairage qui donne l'impression que le film se passe dans un monde parallèle où il y a deux soleils qui se lèvent en même temps. Voire même plus, parce que là on a deux soleils derrière Suicider, plus un troisième derrière Melodia et Blue Melodia qui lui font face. Encore mieux que sur Tatooine. Un autre point fort du réalisateur est d'arriver à nous faire partager les pensées de ses personnages sans recourir à des dialogues uniquement grâce à des effets de montage. Comme avec les remords de Makoto, représentés par des flashbacks des moments qu'elle a passés avec Otoka, ou quand la conscience d'Otoka empêche Melodia d'attaquer Blue Melodia. Pour finir, j'aurais quand même une question. Pourquoi Melodia ? Je veux dire, l'héroïne s'appelle Melodia, et sa forme humaine se prénomme Otoka, Oto signifiant son. Et qu'à parfum, donc son nom signifie littéralement parfum sonore. C'est l'inspecteur Vanda Jackson qui a écrit le scénario ou quoi ? Quoi, comment ça, vous connaissez pas cette référence ? Vous voulez dire que vous n'avez jamais lu Top 10 ? Mais foncez, c'est du Alan Moore ! Avec tout ça, on devrait donc s'attendre à voir un personnage sur le thème de la musique, comme Symphonia par exemple. Alors je repose ma question, pourquoi Melodia, en dehors du fait que ça sonne bien ? C'est mélodieux. Bref, un bon scénario, de bons personnages, de bonnes scènes d'action, très variées puisqu'on alterne entre des combats géants, un combat aérien, un combat à l'intérieur d'un corps humain, un combat contre trois clones, et un combat à deux héroïnes contre un monstre. Et malgré les limites du budget, les effets spéciaux se sont nettement améliorés depuis Assault Tizer, autant de qualités qui font de Melodia une des meilleures que d'héroïnes de Zen Pictures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce-vériser et éventuellement à soutenir financièrement la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et comme d'habitude, je vous invite à retrouver mes critiques écrites sur les sites Tokuona pour les séries et Casse Critique pour les bandes dessinées. Tchalé! Pour info, je plaisantais, hein, pour les 500 000 euros, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà, comme ça maintenant, si je reçois 500 000 euros sur mon compte Tipeee, je saurai que ça vient d'un type qui a pas regardé la vidéo jusqu'au bout et qui peut s'en prendre qu'à lui-même.